بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكنا عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس، أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من تشجيعات ديالكم، لايكات للكومنتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة، وشكرا، شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez comme d'habitude toujours très très bien. Vous connaissez bien que ma présence ici c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter une évaluation et consolidation. Évaluer et consolider les acquis déjà acquis. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 6e année enseignement primaire, unité didactique 4. Évaluation et consolidation. Skim, Wadam et Mouksesebes. Grammaire. On va commencer par la discipline de la grammaire. Premièrement, je souligne. Hein, je souligne, c'est le verbe souligner au sapper. Je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. Premièrement, je cherche le complément dans la phrase, je le souligne et j'indique sa fonction. Loi de Fadiello. Bien. Chez notre voisine, la radio. Pardon. La radio reste allumée toute la journée. Voilà la phrase, c'est une phrase déclarative. Il donne une information. Il commence par majuscule. Hein, si. Il commence par majuscule et se termine par un point. Alors, premièrement, je vais essayer de trouver le complément. Bon, chez notre voisine, la radio reste allumée toute la journée. Alors, chez notre voisine, la radio reste allumée quand? Toute la journée. Voilà, le deuxième complément, c'est c'était. Complément circonstanciel qui indique le temps. Alors, la radio reste allumée toute la journée ou chez notre voisine. Voilà, le premier complément, c'est elle. C'est un complément circonstanciel, c'est elle. Bien, je termine l'explication. Alors, j'ai dit que chez notre voisine, la radio reste allumée quand? Toute la journée, donc c'est le temps, complément circonstanciel du temps. La radio reste allumée toute la journée ou chez notre voisine, complément circonstanciel du lieu. Donc pour trouver le lieu, je pose la question où avec accent. Et pour trouver le complément circonstanciel du temps, je pose la question quand. Maintenant, mon père a mis deux petites piles dans la télécommande. Mon père, sujet, a mis le verbe mettre au passé composé. Il a mis quoi? Deux petites pile, deux piles, complément circonstanciel, petit adjectif, ou dans la télécommande. Voilà le lieu. Voilà la place des piles. Donc, dans la télécommande, complément circonstanciel de lieu. Hein? CCL. Deuxièmement, j'écris une phrase qui contient un CCT et une autre phrase qui contient un CCL. Le lieu. Deux phrases. Alors, je ferai mes exercices dans mon cahier. Je ferai mes exercices où? Dans mon cahier. Voilà le CCL. Complément circonstanciel du lieu. Demain, très tôt, j'irai tout seul à bicyclette. Demain, tout seul, j'irai tout seul à bicyclette. J'irai tout seul à bicyclette quand? Demain. C, C, T.
changement circonstanciel de temps. Ça veut dire demain. Troisièmement, j'enrichis la phrase suivante en ajoutant un CCT et un CCM. J'enrichis. Irna al-jumla. Nous avons dit que les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, ce sont des compléments facultatifs. On peut les supprimer, on peut les ajouter. Si on les ajoute, il enrichit la phrase. Il donne plus d'informations. Si on les a supprimés, la phrase reste cohérente. Hein? Il n'a pas changé. Là, il a un sens. Il a un sens. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. Voilà la phrase. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. Ça, c'est la phrase d'origine. C'est la phrase initiale. Donc, je vais essayer d'enrichir la phrase. Irna al-jumla en ajoutant CCL, le lieu, CCT, le temps. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le matin, voilà le temps. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil dans ma chambre. Voilà le CCL. Donc, j'ai ajouté deux compléments facultatifs, CCT et CCL. Maintenant, la phrase, elle est enrichie, elle donne plus d'informations. Hein? Elle donne plus d'informations, elle est bien compréhensible. Alors, troisièmement, j'écris une phrase enrichie. J'écris, ça veut dire une phrase qui fait personnelle, c'est une phrase personnelle. Alors, qui est enrichi. Qu'est-ce que ça veut dire enrichi? Ça veut dire qu'il contient CCL et CCT. Alors, le dimanche prochain, voilà le complément circonstanciel de temps. CCT. Le dimanche prochain, j'irai avec mon père au stade de football. Voilà le complément CCL. Donc, j'ai ajouté deux compléments facultatifs. Conjugaison. Alors, on a terminé avec la grammaire. Maintenant, la conjugaison, la deuxième discipline. Je souligne le verbe. Je souligne le verbe conjugué correctement au conditionnel présent. Attention. Le conditionnel présent est là comme base le futur et les terminaisons de l'imparfait. Ça, on l'a expliqué. Alors, il se souviendrait ou bien se viendront. Ici, nous avons deux temps. Nous avons le conditionnel présent et le futur. La terminaison du futur, c'est « rond ». Ils se souviendront. Nous voulons le conditionnel présent. Donc, la terminaison de l'imparfait est la base du futur. Donc, voilà. Ils se souviendraient. Voilà la base du futur. « Se viendre ». Et voilà la terminaison de l'imparfait. De leur visite du parc éolien de Tanger. Donc, on a choisi le conditionnel présent. Deuxièmement, j'écris les verbes de la phrase suivante au conditionnel. C'est moi qui vais écrire les phrases, les verbes conjugués au conditionnel. Selon Ayoub, une fois arrivé, c'est honnête, nous, le verbe se promener. Nous, le verbe se promener, c'est un verbe pronominal. Donc, nous, voilà le sujet et voilà le pronom réfléchi. Nous ne promenerions. Nous ne promenerions. Alors, pour les verbes du premier groupe, je garde l'infinitif. Promener. Je garde l'infinitif et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Un peu, en ville, puis nous. Le verbe aller au futur. Quel est le futur? J'irai. Et quel est le conditionné? J'irai. Avec la terminaison de l'imparfait. Nous irions. Voilà le sujet. Nous irions voir le barrage hydraulique. Al-Wahda. Et où nous, le verbe prendre. Le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. Attention, hein, il change la base parfois. Parfois, il change la base, parfois, il garde la moitié. Nous prendrions. Voilà la base du futur. Et voilà la terminaison de l'imparfait. Quelle photo? Nous prendrions. Je prendrai. Tu prendrais. Il prendrait. Nous prendrions. Vous prendriez. Il prendrait. La base, le futur, plus les terminaisons de l'imparfait. J'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués correctement à l'impératif. À l'impératif. C'est un mode impératif, ça veut dire il est conjugué à trois personnes, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Il donne des ordres, ou bien des conseils, ou bien une interdiction. Ama awamer, nasa'ih, ou bien al-mana. Réfléchissez. Alors ici, avant de choisir, il faut savoir le verbe. Est-ce que c'est un verbe de deuxième groupe ou bien troisième groupe? Réfléchir. Je réfléchis, nous réfléchissons au présent. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, on va écrire réfléchissez et non pas réfléchir. Avant de commencer, nourrissons, nourrir. Nourrir.
C'est un verbe de deuxième groupe. Je nourris, tu nourris, il nourrit. Nous nourrissons. Nous, je nourris, tu nourris, il nourrit. Nous nourrissons, nous nourrissons un bébé, par exemple. Donc, nous nourrissons. Ils n'ont pas nourrirons. Nourrirons. Nourrissons. Hein? Nourrissons les avec ses fruits. Quatrièmement, j'écris une phrase avec chacun des verbes suivants. Un impératif. Agir. Première personne du pluriel, agissons-nous ensemble, nous devons, hein, agissons ensemble, ou bien nous devons agir ensemble, nous devons agir ensemble, c'est la même chose, agissons ensemble. Choisir, deuxième personne du singulier, ça veut dire tu, finis vite tes vacances, finis, hein, c'est un verbe du deuxième groupe à la deuxième personne du singulier, finis vite tes devoirs, finis vite tes devoirs, finis, finissons, finissons, voilà le verbe du deuxième groupe. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui, c'est la première partie, évaluation, grammaire, conjugaison. La deuxième vidéo, je vais vous présenter la suite, ça veut dire orthographe et vocabulaire. Orthographe et vocabulaire, bonne chance, bonne réussite, et à la prochaine vidéo, au revoir.